Sixième jour du projet, 7 jours, 7 livres, et on est avec Henri Carole et son livre bien nommé, le livre qu'il vous faut pour réussir vos photos. Donc, je suis un petit peu sur les rotules, hein. Ça fait 6 jours que je dors que 3 heures par nuit, donc j'ai l'air surexcité, mais en fait c'est de la fatigue. Hein. Puis comme tu peux le voir, je suis réellement mort de fatigue, puisqu'on est au paradis. Non, en fait, on n'est pas vraiment au paradis, attends, je vais te montrer. On est dans le studio cabane atelier de mon frère et ben ça va être cool parce que il y a des murs et un toit et ça va pouvoir me permettre de te montrer un petit peu ce que j'ai appris du livre. Hop. Voilà, on n'y voit que du feu. Mais avant ça, on va se détendre un petit peu parce que là. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendu. Si t'es tendu. Bah non. Si je te dis que t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis que t'es tendu, Natacha. C'est tout. Tu me dis oui, Claudie, c'est vrai, je suis tendu. Donc l'auteur nous met à l'aise directement, hein, parce que ça passe pas d'abord par un jargon technique super compliqué, etc. Hein. On finit pas la boîte de Doliprane avant d'avoir pris notre première photo. Ce qu'il dit dès le départ, et ce sur quoi il insiste pendant tout le livre, c'est que le premier élément à développer pour être bon en photographie, c'est notre œil. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant au-delà de la photographie, c'est que pendant tout le livre, il nous accompagne et il nous apprend à nous arrêter pour observer. Vraiment être attentif, et je me dis que ça peut porter ses fruits même au quotidien, parce qu'on passe devant tout un tas de spectacles fabuleux, de petits miracles de lumière comme ça, et on n'y prête pas attention. Et la photographie, eh bien, c'est un excellent prétexte pour ne plus les rater. En plus, ça va plus loin que ça. Parce que, à travers des photos de photographes célèbres, il guide notre œil et il nous apprend la construction de la photo. Parce qu'il dit, et ça c'est une des phrases clés du livre, c'est une citation de Ansel Adams qui dit « On ne prend pas une photo, on la construit ». Et cette notion de construction, elle est géniale parce qu'elle t'aide à te construire ton regard. Au début, tu apprends à observer, être simplement attentif à ce qui se passe autour de toi, et après, tu arrives à exprimer la façon dont tu vois les choses à travers tes photos. C'est quand même fabuleux. On est d'accord, c'est fabuleux. Bon. Donc, je t'invite chaleureusement à te mettre à la photo. Et en plus, c'est un excellent prétexte pour voyager. C'est un excellent moyen d'apprendre à observer. Et à construire, à exprimer ton propre regard. Voilà, ce fut court, mais j'espère intéressant. Demain, on se donne rendez-vous pour le dernier livre du projet 7 jours, 7 livres. Après, je vais dormir un bon siècle et demi. Et quelques éléments pour le livre de demain, qui est... Bon, j'espère que je vais arriver à me le procurer, mais normalement, ça devrait concerner un Américain qui a un nom qui se rapproche de celui d'un animal. Et il est question de désobéissance. Ah, c'est facile. Ah, je sens que tu l'as. Je sens que tu l'as. Donc, je te donne rendez-vous demain pour cette dernière vidéo. Hein. Prends soin de toi. Dors bien. Dors bien. Et puis... Ben, à demain. Ouais, je l'ai déjà dit. Bon, c'est pas grave. Ciao.